Il était 1h du matin au domicile du fait Ndarugiri et Pascal, 6 en commune, Kinama, quartier Bukirasazi 2, quand il y a eu un bruit provenant de la chambre d'un des enfants de cette famille. Après un moment, feu Ndarugiri et Pascal et sa femme ont décidé de sortir pour aller s'enquérir de la situation. Dusohotse tujya kugurura ngo turabe ko bamwivye. Tugiye kugurura tujya njya mbona umwangazo inyuma yanje utanguye kuza bataradushikira nti Nous sommes sortis pour voir ce qui se passait à l'extérieur et nous sommes tombés sur des hommes qui braquaient sur nous des torches. On a été envahis par la panique. Moi, j'ai couru à l'intérieur de la maison, mais mon mari n'a pas pu me rejoindre et je l'ai entendu crier. On venait de l'assassiner. J'ai demandé du secours, mais personne n'est venu. J'ignore pourquoi on l'a assassiné et nous serions morts tous les deux. C'est Dieu qui m'a sauvé. Jeanne Naki Teretse, administrateur de la commune Kinama, déplore ce qui s'est passé et ajoute que ce cas d'insécurité est lié au simple vol. En général, dans cette commune, il n'y a pas de criminalité. Ce qui s'est passé est l'œuvre de simples malfaiteurs. Il a eu la malchance de tomber sur leur chemin. C'est la troisième fois que le domicile d'Ofe Ndarugiri et Pascal est attaqué par des malfaiteurs. Cependant, ces malfaiteurs n'ont rien apporté à leur passage. L'administrateur de la commune Kinama affirme qu'en général, la situation sécuritaire dans sa commune se porte bien.